Salut à tous, aujourd'hui je vais vous présenter un autre mode sur Farming Simulator 2013. Alors cette fois-ci ce n'est pas un tracteur, mais un cultivateur. Vous allez me dire, il est long. Oui, parce qu'il fait 50 mètres. On peut l'accrocher à la plupart de tous les tracteurs, excusez-moi, petit capillage. Comment dire, je l'ai trouvé sur LS 2013. Alors c'est un site pour les modes de Farming Simulator 2013, 2011 et d'autres choses. Alors il fait 50 mètres. Qu'est-ce que je peux dire de... Il ne se plie pas, mais il passe à travers tout. Comme ça on n'a pas de problème, on ne se retrouve pas coincé ou tout ça. Malgré que ça bug un peu quand on passe à travers tout. Que vous dire d'autre? Alors j'ai fait une autre présentation dans la foulée. Juste avant, je viens de tourner pour le FEM 412 varié TMS. Bon, j'avais envie de continuer, donc c'est fait. Alors tous les tracteurs, je les entreposerai en face. Par contre, les équipements, je tâcherai de les accrocher. Comme ça tout le monde verra. Comme ça, si quelqu'un de cette vidéo pourra le voir, pourra voir la dimension et toutes les choses. Mais par contre, il n'aura pas les explications. Donc je pense que je vais l'approcher au fait. Mais je n'ai rien d'autre à vous dire dessus. Et hors, je vais vous montrer le prix. Un prix exceptionnel. Très exceptionnel. Voilà. Orch Gruber 50 mètres, 1000 euros. Franchement, par contre, vous ne pouvez pas engager d'ouvrier avec. Vous êtes obligé de faire pour tout vous-même, mais un passage, c'est bon. Franchement, c'est un truc que je n'utilise pas. Parce que moi, quand je passe à travers les immeubles et tout ça, ça me fait tout bugger. Comme si on ne pouvait pas passer à travers. Donc bah voilà, j'ai terminé. Hein. Je n'ai pas grand chose d'autre à vous dire. Bon, à plus pour une prochaine vidéo. Bye bye tout le monde.